Bonjour les petits loups, et bien alors aujourd'hui je vous propose de faire un calendrier. Donc voilà comment il sera, bon, là rien n'est collé, hein, comment il sera positionné. Donc là c'est un calendrier que je fais pour ma maman, c'est pour ça que j'ai mis une photo de son petit chien, le petit chien Wawa. Donc pour faire ce calendrier, il va vous falloir une feuille de papier unie qui fera 27,8 par 20,3 et vous pliez à la moitié. Dans les 27,8, vous pliez à la moitié. Vous avez ceci. Ensuite, il vous faudra un papier qu'on viendra mettre ici comme ceci. Il maintiendra notre calendrier dans l'autre sens. C'est ceci. Voilà. Donc, ce papier fait 7,5 par 20,3. Et là, vous faites un pli de chaque côté. D'abord, vous faites le milieu, un pli au milieu, et ensuite, 1 cm de chaque côté. Et vous faites comme une montagne. C'est-à-dire le pli du milieu vers ici, et les deux autres plis comme ceci. Ensuite, il va vous falloir un papier décor qui lui fera 19,5 par 13,3. Il va vous falloir du papier rhodoïde, comme ceci, pour faire le petit cadre photo, avec du rhodoïde que j'ai collé. Donc, pour faire ce petit cadre, j'ai pris des dailles. Donc j'ai pris celui-ci et celui d'à côté pour faire un petit cadre. Ensuite, il va vous falloir deux autres dailles, alors soit rond, soit ovale. Moi j'ai pris avec effet couture un plus grand et un que j'ai fait avec le grand papier rose et un autre dans le papier blanc où j'ai mis mon tampon. Enfin mon centimètre. J'ai pris aussi du post-it. Du post-it que j'ai retaillé. Là, j'ai mis comme ça. Et avec mon cutter et ma règle, je suis venue bien couper droit. Et pareil, alors de ce côté ici en bas, parce que là il y a un collant, bien évidemment, coupé comme ça. Donc on a ici pour ce post-it. Alors en fonction de votre taille de post-it, vous ferez un petit papier pour mettre en dessous. Avec un petit rebord de 5 mm à peu près de chaque côté. Hein. Voilà. Donc vous mesurez votre post-it, vous rajoutez 1 cm en haut, 1 cm en bas, et comme ça, ça vous fera les 5 petits mm de chaque côté. Ça viendra se coller ici. Ensuite, pour le calendrier, vous aurez besoin de petites pinces comme ceci. Moi, je vais vous trouver à Amazon, je vous mettrai le lien. Ici, vous aurez besoin de calendrier aussi. Donc, je vous mettrai le lien de ce calendrier que j'ai imprimé. D'abord que j'ai enregistré, mis à la bonne dimension pour l'imprimer sur une feuille A4, de manière à avoir les bonnes dimensions. Parce que quand vous l'enregistrez, vous avez un calendrier énorme. Et si vous imprimez, vous avez des jambiers de cette taille-là, vous ne pourrez jamais le mettre dedans. Donc moi, je l'ai redimensionné et je vous mettrai mon lien pour aller le chercher. Donc voilà. Donc nous allons commencer par coller. Alors, je vais utiliser... Vous pouvez coller avec du double face. Moi, j'ai décidé d'utiliser ma peau. Attention, quand vous couperez vos papiers décor, de bien faire attention à vos motifs. Hein. Si vous avez un sens, comme moi, les fleurs, les feuilles. Je ne pouvais pas les mettre couchées quand même, pas dans le sens. Là. Voilà. Donc ensuite, on va coller ici, comme ceci, notre bande de papier. Alors attention de bien le coller bord à bord. Maintenant, je le fais un peu trop grand, j'ai l'impression. Je vois pas.
là et on vient coller le deuxième ici. Donc déjà ça commence à un peu à tenir. Alors, hop, on vient coller le deuxième. Et maintenant, ben, je vais tout coller, les petites choses. Bon, on va coller un petit peu de colle sur le bord, en bas, sur le côté et surtout pas en haut. Hein. Si vous voulez changer la photo, tant que voir le faire. Alors, je vais me faire oublier. Ensuite, je prends celui-là. Alors, je vais coller la dernière feuille. Ça va vite à faire un c'est surtout là couper les papiers, couper le post-it, préparer le petit cadre, la photo, préparer le alors là par contre je vais essayer avec cette colle là, si ça marche pas je mettrai la colle de face de la colle de la colle avec mon pistolet à colle. Voilà. Ensuite, je vais coller celui-ci. Et comme je dis, c'est un calendrier très très rapide à faire. Et vous pouvez offrir. Celui-là. Et voilà. Oui. Donc ici, que ça tient le bazar. Voilà. Et ici. Ça tient. C'est plate. C'est plus joli.
c'est toujours mis ça que le ton, que le pouce. Je vous dis un peu. Avec la question de la colle, elle aussi, il y a toujours quelque chose qui est exprimé. On s'en colle. Ok? Alors, tiens, la colle. De l'action. Donc voilà. C'est fait, donc ça, on va manger dans la boîte. Donc voilà le calendrier. Je retiens des clés. Ça s'appuie un petit peu de manière. Alors je pensais mettre des perles, mais on va le congeler, c'est comme ça, après ça va être chargé un petit peu. Donc voilà le calendrier, donc il est devant. Le calendrier, et quand il est debout, il est comme ça. Voilà, on va le pencher. Là, vous ne voyez pas parce que. Je vais mettre toute ma canne, mais là je ne peux pas démonter toute ma canne, on va me visser et tout. Donc voilà. Et voyez, vous avez le dessous qui fait le pied. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.